Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne secondaire où le gaming est à l'honneur. Je suis dans le studio de Sora, vous pouvez le constater et qu'est-ce que... Oh my fucking god! Eh non, ce n'est que moi! Oh my god! Faut qu'on arrête les intros. T'as 2016 ouais, là! Ouf, exactement! T'es pas trop petite là, ça va? Non, t'inquiète! Tu peux t'approcher du bureau? Non mais... Tout est fait pour qu'on joue ensemble, les gars. Et oui. Vous connaissez mon degré de résistance face aux jeux d'horreur. Qui est à peu près 2 sur une jauge comme ça, qui est à peu près là, je dirais, ici. Oui, mais j'ai quand même fait des efforts. En ce moment, j'ai fait des efforts. Ceux qui me suivent, même sur Twitch et tout, j'arrive un peu plus à en faire. Mais ça reste quand même compliqué. Et je me suis dit, autant faire appel au maître. Pour moi, des jeux d'horreur. Oui, bon, voilà, si c'est sûr. On peut pas rien te dire, ça. Elle parle de moi, les gars. En gros, Sora a plus de résistance. Toi, tu kiffes. En fait, j'adore ça. Mais je ne comprends pas comment tu peux adorer. Mais j'aime avoir peur. Mais tu te rends compte de la sensation désagréable que c'est d'avoir peur? Adrénaline, là. Le petit cœur qui bat très vite, c'est trop agréable. Le mec, il aime pas les attractions à sensations fortes, mais tu kiffes les jeux d'horreur. C'est pas la même peur. Je risque pas de mourir devant mon écran. Donc, du coup, j'ai décidé que tu allais me coacher. Je suis ton coach. Tu es mon coach. Une étiquette de coach. Ouais, exactement. Là, faudra mettre une étiquette de coach, là. Ok, vas-y, si tu veux. Voilà, super. Mettez-lui une petite étiquette. Du coup, ouais, tu seras mon coach pour ce gameplay de jeu d'horreur. Ok. C'est bon, t'es prête? Ouais, vas-y. Est-ce que t'es prête? Ouais, vas-y. Et tu vas me donner tes tips et tout. Quand tu sens qu'il va y avoir quelque chose, ouais. Comment tu réagis, tu vois, il y a un truc comme ça. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Ok. Mais je t'ai vu, connard, on a un retour. Connard. On est sur The Beast Inside, qui veut dire... La bête à l'intérieur. Exactement. Et non La Belle et la Bête, qui est un joli film, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir. Ok, comment on joue un jeu? Déjà, tu prends non, la... J'allais vraiment répondre premier degré. Alors en fait, tu prends la souris. Ok, la souris. Et let's go. Sélectionne le niveau de difficulté. Oh, tu mets standard. Bon, mais bête. C'est toi le... T'es un pro, normalement. Allez, standard. Hop. Ah, ok, d'accord. Il faut plus taper sur une touche. Vraiment, ah, ça, merde, ça, pardon. Ça commence bien, ouais. J'avais pas vu. Où je suis? Ça a l'air de mal se passer pour l'instant. Tu crois vraiment? Ouais. Oula. Non, t'inquiète, bonne ambiance. Ah, c'était lui, Adam? Ah, bah là, si c'était lui, Adam, il va pas revenir. Hein. Elle est conne ta question qu'avez-vous fait d'Adam? Trou de balle, il y a sa tête, tu crois quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Adam, réveille-toi! Non. Qu'est-ce que vous faites? Bah, il va te tuer. Ah, là, il va t'éclater, hein. Ah, une semaine plus tard. Ça fait un peu début de film d'horreur, vraiment. Ouais, vraiment. Plus j'ai des doutes. Mais attends, elle est pas morte? Mais non, il a écrit une semaine plus tôt, on est con, c'est un flashback. Ah putain, on est con. J'ai cru plus tard. Elle est revenue. Ah, c'est un cadeau des parents. Ah bah putain, bah ça va les cadeaux. Une maison. Waouh, elle est immense. Hein. Par contre, c'est un cube le truc. C'est Minecraft. Te trimer pendant que tu crieras tes ordres depuis la douche. Ah donc elle va se taper une petite douche et nous on fait le déménagement. Bah apparemment. Bah écoute. Honey. Update. The place seems peaceful and quiet. Pourquoi il fait un reportage? Mais qui fait ça en fait? Qui emménage? Je viens d'emménager dans ma maison. La porte est grince. Chapitre 1. Home sweet home. Ok, trêve de bavardage. Emmener la boîte dans la maison. C'est le livreur qu'on oppose. Tu restes appuyé et tu appuies. Et voilà. Putain. Oh, mais... Vraiment jamais des jeux d'horreur quoi. C'est une dinguerie. J'ai l'impression d'être le même qui joue jamais aux jeux vidéo de ça alors que si. Voilà. Ah ouais, c'est rangé quoi. Ah, il est en train de prendre les murs direct. Je vais au grenier. Ah, il y a ma meuf qui est en train de prendre une douche. On peut pas la rejoindre, non? Non, je peux pas. Ok, vas-y, tu peux ouvrir le grenier maintenant. Ok. La grimpe? Voilà. Ah oui, ok. Ouais, mais regarde. C'est une blague, putain. Bébé entend tout. Ah, elle est même enceinte. Dans mon ventre. D'accord. Un super agent comme papa. Ah, donc on est flic alors? Chérie, je vais pas aller dans le fichu grenier. Vas-y, t'as les clés. Clés à la manger dans le tiroir, ok. Oh, mais elle est chiante aussi si elle fait pas son taf aussi. Elle a dit où, portefeuille? Faut que t'ailles dans le coffre. Vas-y, fouille la voiture. Non, c'est pas le coffre. Mais c'est pas le coffre, ça met la voiture aussi. Putain, mais regarde, t'es con ou quoi? Le coffre il est fermé. Le coffre est fermé. Bah, il est fermé le coffre. Quoi? Il faut que je trouve les clés quelque part ici. On dirait un vieux couple. Donc, on a la clé et là, on peut ouvrir. Voilà, parfait. Il fallait qu'il récupère quoi déjà? La peinture. La peinture, c'est ça. Cinématique. Non, mais. Tu fais zéro effort, mec. Oh, comme par hasard, la planche. Comme par hasard. Qui dit ça? Putain, tu ouvres. Et il a ouvert son truc. T'es vraiment... T'arrives dans ta salle de bain, elle est fermée, ton premier réflexe c'est... Ok, alors note à moi-même, je vais devoir avoir besoin d'une clé pour ouvrir la salle de bain. En fait, le mec, il est flic, il décroche pas, tu sais. Par contre, y a plus de musique. Tu sais que je préfère quand y a de la musique, hein. Quand il y en a pas, y a rien. Écoute. D'accord, c'est oppressant. C'est d'un coup... Là! T'es con, là! Putain! Comme par hasard. Un pied de biche. C'est pas pratique si c'est... Ça me rappelle un film qui s'appelle Sinister. Oh non, en vrai, je l'aime pas ce film-là. Tu vois, il est horrible. Si vous avez pas vu Sinister, il est affreux. Vraiment,
un des meilleurs films d'horreur, je pense. Ouais, ouais, mais attends, on a changé de truc, là. Et ça va partir sur une solution internet. T'inquiète, vas-y, je réfléchis. Vas-y, réfléchis, s'il te plaît. Ouais, ouais, vas-y, attends, moi aussi, je réfléchis de mon côté. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Et à la rigueur, on peut peut-être écrire Flavie. Je pense que ça peut être la solution. Et s'il y a un L, ce serait cool. Il n'y a pas de L. Je réfléchis, hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Peut-être que la clé dans la paix dans le monde, c'est mon prénom, je pense. Non, c'est bizarre. Ok, je pense savoir ce que c'est. À mon avis, tu vois, c'est pas compliqué. Quand tu bois trop d'alcool, oui. On dit que t'as mal au foie. Oui. La foi, c'est également la foi en Dieu. Oui. Et la foi en anglais, ça se dit faith. F-A-I-T-H. Je pense que c'est ça. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de croire en nous. Et on croit en et voilà, bah oui. Putain, t'as trop raison. Mais en fait, il fallait réfléchir. En fait, fallait réfléchir comme ça. Putain, encore une clé. Qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir avec? Bah une porte. Merci Flavie. Nous sommes le 27 septembre dans l'an 1865 et de notre Seigneur le soir presque la nuit jamais auparavant. Chapitre 2. Mais attendez, on change d'ambiance là. L'ambiance c'est pas pareil. Hein. Chapitre 2. Visiteur indésirable. Non mais attends, regarde. Il y a plus. Ah bah c'est vrai, t'as raison. Je suis chez moi. T'allumes les bougies. Appuyez sur X pour allumer une allumette. Ok, et allume les bougies. Bougie, 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 il y a des bougies ici. Non, mais il y a des... Je sais même pas ce que c'est. Le mec, j'ai disparu. T'es parti. Putain, c'est pas possible. Apparemment, quelque chose s'est passé à l'étage. Bah j'y vais, hein, ici, il y a du bruit à l'étage. Fichu vent, je crois. Ah, ok, d'accord. Va voir à la fenêtre. Bah oui, forcément. Oh, ma part, il fait peur. Ah. What are you doing here? This is private property. Oh, la lanterne. Oh. Parfait. Du coup, je vais dehors parce que du le mec est dehors. Exactement. Bah oui, bah bien sûr. Ça, c'est un truc de fou. Moi, je vois un mec dehors, je me barricade. Je ferme tout à clé, je prends un couteau de cuisine et je me barricade dans un endroit personne où... Personne fait ça. Je suis en sécurité. Mais personne. Où diable a-t-il pu l'aller? Il a désigné le cabanon. Allez, je vais aller mourir là-bas, espèce de chien de merde. T'es en stress, là? Bah non, oui. Comment t'es, on fait? T'es mon poulain, t'es mon poulain, t'es mon poulain. Fonce. Ah non, c'est moi qui lui porte rien. Monsieur, vous êtes là? C'est une propriété privée, vous avez pas le droit. Bah attends, attends. Ah, il y a quelqu'un. Non, attends, je vais fermer ça. Je préfère être informé. Un crime terrible choque une communauté locale paisible. Le shérif adjoint appelé à l'auberge a confirmé la mort de l'homme. John Norton était porté disparu depuis quelques semaines. Un meurtre horrible? Non mais frère, tu pas... Il a des yeux ou pas? Un meurtre horrible? Un meurtre horrible? Putain, oh, est-ce que ça aurait un rapport avec cette drague? Un fusée de sang. Un fusée de sang. C'est le chapeau qui? Il a dit de quoi? De son père. Basement. La cave. J'ai peur. Allez, on sort, on sort. Je cours, ok? Cours à la maison, cours à la maison! Let's go! Je me sens pas d'humeur à chercher ce vagabond au beau milieu de la nuit, je ferais mieux de rentrer. T'es sérieux, frérot? Parce que de base, il aurait dû commencer par réfléchir comme ça. Ah oh, t'avais pas vu, je m'en C'est toi qui m'as fait peur! Attends, c'est pas normal qu'on lui dit de partir! Monsieur, c'est une propriété privée! C'est le mec qui est dehors! C'est ma maison, faut sortir! Vous sortez tout de suite! Y'a pas à faire ça en fait. Eh, là on est d'accord qu'il y aura un screamer, on est d'accord? Non, pas forcément! Mais bien sûr que si! Pas forcément! Je peux me battre! Je suis une femme forte! What? Ah mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Quoi, là? Je sais pas! Va le voir! Mais t'es sérieux? Demande-le comment il s'appelle! La vie, est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu irais voir? Il est perdu, il a peur! Mais j'ai pas ma lampe! Ma lampe marche plus! Elle marche plus! Vas-y, avance! Oh, il a disparu le fou. Ok. Je peux longer les murs. J'ai peur de longer et de voir quelqu'un d'un... Ah ah, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Oh là là, c'est là. Je peux pas. Allez, va à la porte. On enchaîne, on n'a pas peur. Mais si, j'ai peur. Non, on n'a pas peur. Oh, et ça, c'est pas peur, ça. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Ça, c'est pas la tête. C'est dans la tête. Non, ça, non, c'est moche. Mais j'ai du sang par terre, t'as vu? Quoi? D'où vient tout ce sang? Le mec, il crie même pas. Par contre, tu remarques que lui, il a beaucoup de sang froid. Oh, non, mais lui, il s'en bat les couilles. C'est ça la cape. Y'a pas. J'ai peur. Mon cerveau panique. Oh, c'est quoi ça? T'entends pas le bruit? Ça, tu vas me dire que c'est rien? Y'a un mec qui arrive là. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de défoncer la porte. Je comprends pas ce qui se passe. C'est bizarre, c'est bizarre. Elle est là, la cave. Mais attends, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Ouais, y'a un mec qui nous veut du mal. Sans déconner, et nous on fait quoi? On lui ouvre la porte. Mais c'est quoi ce jeu de ses morts? Il est parti. Au moins, le bruit s'est arrêté. Oui. Je peux y retourner. Non, mais non, mais tu. Descends la cave. C'est un meuble. Tu me dis, je vais où? À la cave. C'est là? Ouais, c'est là, c'est là. Non mais tu regardes pas le jeu là, attention, c'est là qu'il faut regarder. Mais personne fait ça sur ma vie de ma... sur la vie de tout le monde sur Terre, personne... Ah oh. Ah, c'est une dinguerie. Mais personne fait mais ça. Il te veut peut-être du bien. La vie de ma mère, c'est une propriété privée, ok? Mais il est horrible ce jeu. Non mais je peux pas jouer en vrai, je si me... Mais j'ai plus d'organes, ils sont tous liquidifiés là en fait. Je ne peux rien faire. Maxime, je peux pas, je ne peux pas. Tu veux que j'avance? Essaye d'avancer, je peux pas. Putain. Je crois qu'il faut passer en dessous, non? Ouais, faut passer en dessous. Non mais attends, il y a quelqu'un qui va te choper le visage. Tu fais quoi que ta main là? Mais je sais pas, je me protège. Non mais attends, il y a quelque chose qui va arriver, c'est pas possible. Ah, c'est toi qui fais ce bruit? Il y a quelqu'un qui a couru? Il y a un mec qui court, il y a un mec qui court. Moi je peux pas, hein, je vais retourner à Dibou moi. Dibou. Je déteste quand il y a aucun bruit, y a aucune ambiance, y a rien. Non. Sortez de la cave. Oh là là là,
Ça pue. Tu vas où là? Non mais je suis là, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il raconte? Il commence à paniquer ce fils de... Mais c'est une blague! C'est tout ce que t'aimes pas. Mais oui. Ça, cette vision, mais attends, on dirait Conjuring. C'est vrai qu'on dirait en Conjuring. Who's ever down there? I'm gonna lock you in now. Il y a pas de son, c'est horrible. Ouais, c'est vrai. Qui a des gros pas là? Qui marche comme ça dans la vie? Il y a personne qui marche comme ça. Il est à l'étage. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est lui là, mais monsieur, vous n'avancez pas. Je comprends pas. Oh putain, ils mais ont c'est... tous les clichés du film d'horreur. Mais on oui, les ont a tous. ils ont tous. La sound design, il est comme ça, le mec, il appuie sur tous les boutons. On les a tous. Quelqu'un a fouillé ma serviette, mais comment ça parle de serviette? Oui, c'est dans l'époque, ils avaient une serviette pour avoir tous ces trucs, en fait, ces outils. J'ai la clé, on peut retourner à la cave. Mais qui fait ça? Personne va dans la cave. Oh, ça va, ça. Ouais, ça va, ça. Okay. Par tous les diables, qui ouais, êtes-vous? Peur. C'était le mec de dehors. Regarde son visage. Oh. Après, c'était de la Camelot, il devait y avoir des mythes. Hein. Wow. Après, en vrai, ça se trouve, il est gentil et il arrive juste pas à communiquer. Hein. Oui, bien sûr. Il a l'air gentil. Non. Oh. À suivre. Franchement, le jeu est dispo. Il est sorti depuis un moment en vrai. Hein. C'est pas une démo qui date de maintenant. En effet, je m'en souviens, j'avais fait la démo il y a très longtemps. D'accord, ouais. Mais j'avais fait le jeu en entier. On pourrait faire le jeu en entier ensemble en stream. Ouais. T'en as pensé quoi? Effrayant de ouf. En vrai, t'as pas eu peur. Ah ah ah. Je le fais même pas exprès, je vous jure, c'est pas des surjeux, je ne supporte pas. En vrai, il est violent. Il y a quelques screamers qui mais sont violents. Mais comment tu fais pour kiffer ça? J'adore. Moi, je meurs, j'ai toute mon énergie, elle est passée dans le j'ai jeu vu, là. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Tu t'en es bien sorti. Mais t'as lâché là, un peu à la fin. Ouais, la fin, t'as abandonné. Pris, ouais, j'ai abandonné. Mais tu t'en es bien sorti. Est-ce que tu penses qu'un jour je pourrais être aussi à l'aise que toi sur les jeux d'horreur? Peut-être pas aussi à l'aise, mais je pense que tu pourrais aller plus loin. Parce que là, vraiment, je pensais pas que t'irais jusqu'au bout. Ah ouais? Là, franchement, j'étais bien débrouillé. Non, vraiment, c'est bien. C'est un bon début, mes encouragements. Tu as été un bon coach, on peut le dire, parce que j'étais quand même loin. N'hésitez pas si vous voulez un deuxième essai, tirer un jeu, n'hésitez pas vous-même à nous en recommander. En vrai, c'est drôle parce qu'on est deux, mais déjà solo, j'aurais pété un câble. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Sora, ta chaîne secondaire. Sora Off. Ouais, exactement. Et les gars, on se retrouve très vite sur cette chaîne secondaire. En attendant, portez-vous bien. Ciao.